Bonjour, c'est Pop 2. Trois des Spooky Tooth, Mike Harrison, le chanteur, Steve Thompson, le bassiste au centre, Mike Kelly, le batteur, à droite. Qu'est-ce que vous préférez, le travail de scène ou de studio? Ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué live en direct, peut-être un an avant, c'est juste du travail de studio. Personnellement, je pense que c'est plus facile de travailler en studio physiquement. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'enregistrez pas et quand vous ne passez pas sur scène? Dormir. On vit juste. Maintenant, on vit séparément, mais avant, on vivait tous ensemble. Macaulay habite dans une ferme en dehors de Londres. Steve Thompson, lui, n'a pas de domicile fixe. Il est à l'hôtel. In London too? Mm-hmm. And you too, Mike? No fixed address, no. Thank you.
exactly the story of the Spookies? When did you start? Comment ça a commencé, les Spookies et tout? Ça a commencé avec un groupe qui s'appelait les VIP. I joined the VIPs as the first to change. As the first member of the, when the first member of the VIPs had a nervous breakdown and had to leave, Kelly came in. Quand le premier membre des VIP a une dépression nerveuse et est parti, Kelly est venu. Quand le deuxième a eu aussi une dépression nerveuse, le guitariste Luther est venu. Et quand moi j'ai eu une dépression nerveuse, je me suis débrouillé pour que ça se passe en vacances. Est-ce que vous pensez que la musique peut être un moyen de communication très important? C'est le seul langage universel. Peut-être la plus importante forme de communication. Est-ce que vous pouvez communiquer avec le public sur scène? Quelquefois oui, quelquefois non. On est très nerveux sur scène parce qu'avec le nouveau groupe, il est très difficile d'être très homogène en ce moment. Quand on a joué en Allemagne avec le nouveau groupe il y a 3 semaines, on avait le trac d'une façon folle. C'est bon d'avoir le trac dans un certain sens. Hey!
des Spooky Tooth à l'Olympia lors de leur visite à Paris lundi dernier.